Il vous faut autre chose? Comment aller au cottage de Bellbird Valley? J'en suis propriétaire. D'accord. Vous arrivez des États-Unis. Je parie qu'il y a une histoire fascinante derrière votre voyage. Quand j'ai perdu mon travail et mon petit ami à San Francisco, j'ai essayé de gagner un hôtel. Vous avez gagné un hôtel en Nouvelle-Zélande. Et après un vol de 13 heures jusqu'à Auckland et 3 bus différents... Je suis désolée. Je paierai s'il y a besoin de réparation. C'est vrai que ça, c'est pas très bon pour les pare-chocs. Ah, je suis propriétaire d'un hôtel de charme. Oh. On peut jamais faire confiance à une photo de profil sur Internet. On dirait que vous avez vu un fantôme. Une chèvre. Gilbert, c'est un petit futé. Connaîtriez pas quelqu'un en ville qui fait des rénovations? Jack Taylor. Vous avez son numéro? Hey Jack, c'est quoi ton numéro? Pourquoi t'en as besoin? C'est pour elle. Pas du tout. Pourquoi vous voulez mon numéro? Je suis venue vous faire une proposition. Mais c'est une vraie beauté. Si vous voulez, je peux vous aider à le remettre en état. Sérieusement? Tu vois, c'est trop vieux. C'est ton truc en fait, les vieilles maisons. J'ai toujours été un passionné de construction. Ça m'aide à me sortir, disons. Moins cassé. J'ai l'impression que le célibataire le plus en vue de Beechwood Downs a un petit faible pour vous. Une vraie beauté. Oui, c'est clair. Wow. Salut, Chad. Diaz, devine quoi? J'ai un job parfait pour toi. Ma vraie vie m'attend, je dois y retourner. Ah oui, j'oubliais votre vraie vie. Tu sais ce que je crois, moi, que tu lui as pas dit ce que tu ressentais pour elle. J'imagine que l'univers a un plan pour chacun d'entre nous. Je préfère croire que ça s'est bien fini. Je croyais qu'on était amis.